À l'occasion des 10 ans de Stade de foot OGC Nice qui se déroule chaque année sur la commune d'Isola, plusieurs animations étaient offertes autour du thème du football et d'anciens joueurs avaient fait le déplacement pour venir à la rencontre de leurs fans. Ici, un stand dédié aux enfants avec des tatouages éphémères. J'ai décidé de 63-69 et de 71-75. Entre, je parlais de 2 ans à Marseille. Voilà. Bon, quel souvenir vous gardez de l'OGC Nice? Un très bon souvenir, le malheur que j'ai fini 3 fois second et enfin, champion de France de deuxième division, mais toujours à la porte du titre. C'est mon plus grand regret. 10 ans à Nice, 2 ans à Marseille, 1 an à Paris, et puis le reste à SCAN où j'avais débuté, où j'ai fini. J'ai fini entraîneur pendant 30 ans à la fin de ma carrière de foot de joueur. Voilà. Oh, Roger, vous étiez à l'OGC Nice en quelle saison? Alors j'ai joué pratiquement 13 saisons à l'OGC Nice. De 65 à 78. Donc ça fait un bail. Bon, et vous vous occupiez quel poste? Je jouais au milieu du terrain, j'avais un numéro 8, numéro 6 parfois même. Quel souvenir vous gardez de cette époque? De très bons souvenirs d'abord, parce que 13 saisons, c'est que si on reste 13 saisons dans un club, c'est qu'on aime, on aime son club, on aime la ville. Et j'ai gardé de très bons contacts avec mes anciens joueurs, encore maintenant. Et si vous voulez, le seul regret, c'est de n'avoir jamais rien gagné avec l'OGC Nice. Voilà. Vous avez terminé votre carrière comme entraîneur ou... Non, pas du tout. J'ai arrêté ma carrière en 80, après être champion de France avec Strasbourg. Et je suis rentré dans le civil après. Et moi je suis un ancien footballeur de l'OGC Nice. J'ai vécu pendant presque 5 ans. Tant que joueur à l'OGC Nice, on a eu la chance de monter en première division. Et voilà, je suis toujours là. C'est un club que j'aime beaucoup et une ville que j'adore. C'est pour ça que j'ai pris la décision de venir me radiquer ici à Nice. Et bon, Isola, à mon époque, je venais assez souvent. Et c'est toujours un grand plaisir d'être là. Vous avez fait quelle saison sur le GC Nice? Presque 5. Je commençais en 99 et j'ai fini fin 2003. Et bon, ça a été toute un petit vie à Nice et ça fait toujours plaisir d'être ici. Vous étiez quoi? Poste? Oui, un numéro 10. Attaquant? Non, un 10, c'est un gesteur de jeu en fait. C'est pas un attaquant. C'est moi qui donne les passes des attaquants pour marquer des buts. Expulsion Cobos, 44e. J'en ai encore des cas, c'est ça. Ah, c'est sûr. Bien sûr. Monaco, 0-1. Alors, José Cobos, vous êtes peut-être l'un des plus jeunes, des anciens qui sont présents ici, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Il y a depuis un an l'association des anciens Aiglons qui s'est créée. Aujourd'hui, comme je suis le parrain du stage de l'association de l'OGC Nice et d'Isola, donc je me trouvais là et je profite pour être là. Mais voilà,
J'appellerai des légendes de l'OGC Nice qui sont là et je suis fier, même en étant le plus jeune, d'être avec eux pour cette journée dédicace ici à Isola. Pouvez-vous nous rappeler votre palmarès à l'OGC Nice ? Alors à l'OGC Nice, je suis arrivé en 99 et comme joueur jusqu'à 2005-2006 et après j'ai quitté le club en 2008. Donc un parcours extraordinaire où j'ai terminé ma carrière dans ce club qui est cher à mon cœur, où je me suis épanoui et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et voilà, 15 ans après, je suis encore ici. Je veux dire, maintenant, ça fait 20 ans. Et voilà, toujours avec au moins un aiglon sur mon polo. Mais voilà, toujours attaché au club, avec un regard de supporter aujourd'hui. Vous êtes le responsable des stages de foot d'Isola. Vous pouvez nous présenter un peu en quoi ça consiste? Donc, les stages de foot d'Isola ont été initiés par Lionel Letizy, Olivier Chaffny, il y a 10 ans aujourd'hui. Donc on fête le 10e anniversaire, c'est pour ça qu'on a cette réunion de l'OGC Nice et des anciens. Vous recevez combien d'enfants chaque année? Globalement, sur 5 semaines, on a entre 200 et 250 enfants. C'est des enfants qui viennent de la région ou d'ailleurs? Alors, majoritairement de la région, mais on a, cette semaine, on a eu deux enfants de Dubaï, de la région parisienne, de la région marseillaise, d'Islande aussi. Alors, comment ça se passe? Comment ils se déroulent ces stages? Alors, donc, on reçoit les enfants du lundi à 8h, à 11h, ils arrivent donc sur le lieu de rendez-vous au FUN. On les équipe et ensuite on fait des tests pour établir des équipes homogènes. Et ensuite, donc, on fait environ 4 équipes de 10 à 11 joueurs. Et donc, le but est d'organiser un petit tournoi sur la fin de la semaine, donc le samedi matin. Et donc, les enfants sont en passion complète chez nous, du lundi au samedi. Alors, la France a accueilli récemment les championnats du monde féminin de foot. Est-ce que vous avez plus de demandes du coup à ce niveau-là? Alors, cette année, on n'en a eu qu'une, mais d'habitude, on en a 4-5 par année. Et on pense que l'année prochaine, donc avec l'engouement qu'a suscité la Coupe du Monde, on peut avoir quand même une dizaine de filles. Est-ce que vous arrivez à dénicher des nouveaux talents, des futurs talents? Alors, toutes les années, on donne donc à l'OGC Nice 2-3 dossiers de gamins qui sont susceptibles de les intéresser. Allez, je vous remercie. Un isolien fan de l'OGC Nice. Alors ça fait depuis longtemps? Ah, ça fait depuis 78 quand on a perdu la finale contre Nancy. Il y avait tous les anciens stars, Bjekovic, Kantalaki, Jouve, tout ça, tous qui sont là. Et M. Pabito, c'est lui qui nous a fait monter quand on était en deuxième division. Je montais avec mon frère quand moi j'avais 10 ans. Et je suis content qu'ils sont venus sur Isola. Donc tu suis tous les matchs de l'OGC Nice? Je suis tous les matchs de l'OGC Nice. J'allais même quand ils étaient en deuxième division, qui a eu tous ces problèmes, qui voulaient nous faire descendre en national, qu'on est monté tous à Lyon pour nous défendre. L'OGC Nice, pour moi c'est tout. Mon frère il me montait quand moi j'avais 10 ans. Et je remercie les gens qui sont venus sur Isola faire cette belle manifestation pour les petits. Voilà, je te remercie beaucoup. Pouvez nous expliquer un peu les différents ateliers qui sont présents ici, en quoi ils consistent? Bien sûr. Alors là, tu as deux ateliers sur le tir de précision. Donc en fait, le but des jeunes, c'est de... Ben en fait, il y a des trous sur les lucarnes, sur le milieu, sur les côtés.
Et en fait, c'est la précision du tir. Donc, celui qui réussit, il marque des points par rapport à où il place le ballon. Après, tu as le tennis-ballon qui est à côté. Donc là, c'est le principe du tennis-ballon, comme au tennis. Et après, tu as le petit jeu, le petit match entre les deux. Donc ça, c'est sympa aussi. C'est petit match à 2 contre 2. Voilà, celui qui marque le plus de buts. Et après, tu as les cinq figures. Alors moi, je te le dis personnellement, moi, je suis le plus heureux parce que là, tu as Roger Jouve, tu as Bernard Castellani, tu as Charlie Loubet, Pablito, José Cobos. Moi, j'allais au Stade Duré quand j'étais plus jeune. J'allais les encourager. C'est exceptionnel parce que tu as différentes époques. Et les enfants ne connaissent pas trop, mais ils le connaissent par l'intermédiaire de leurs parents. Et le fait qu'ils soient là, qu'on ait les 5 joueurs là et que les petits peuvent faire dédicacer, c'est magnifique. Pour moi, c'est magnifique. Surtout qu'ils sont très disponibles, très gentils. Franchement, c'est le top, vraiment. Moi, je me régale autant que les petits. Hein. Voilà. Oui, merci. Merci d'abord à toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui, aux enfants, aux parents, aussi dans le cadre des stages de foot au GC Nice Isola, dont on fête cette année la 10e année. On remercie José Cobos qui est notre parrain, parce qu'on avait besoin dans ces stages d'inculquer certaines valeurs, des valeurs de respect, de fidélité, de pugnacité. Et qui autre que José Cobos peut représenter tous ces emblèmes en même temps. Mais on aurait pu en parler pareil de Castellani, de Charlie Loubet, de Roger Jouve, de Pablito, qui incarnait aussi ces valeurs. Et puis c'est un peu la nostalgie de ma jeunesse. Moi j'étais interne au Parc Impérial en 73. Je dînais le soir au Parc Impérial, on montait en courant au stade, on allait en tribune sud, on regardait la première mi-temps, et c'était l'époque de Roger, de Jean-Noël Luc, de Guillou, de Katalinski, de Adams, de Chorda, de Grava, de Isnar, une équipe de folie, voilà, l'équipe de folie dont on nous a volé le titre, mais enfin bon, voilà, ça ira comme ça. Et donc je partais à la mi-temps pour être rentré à l'heure à l'internat, et je regardais et j'écoutais la deuxième mi-temps à mon poste de radio. Et bon, ils nous ont fait rêver, quoi. C'était la grande équipe de l'OGC Nice. Voilà. Donc, pour avoir ce village, là, je ne sais pas si vous mesurez les gens d'Isola, il faut avoir quand même un drôle de relationnel que l'on a pour avoir ce village OGC Nice ici aujourd'hui à Isola, même si on est un cadre merveilleux, mais ça c'est Isola. J'apprécie le fait qu'on puisse avoir ça aujourd'hui. Et puis que tous les copains comme José qui nous accompagnent tout le temps, et puis donc les anciens Aiglons, d'être ici, d'avoir joué le jeu et d'avoir ravi tous les enfants et je pense surtout les parents. Voilà, merci. Merci à tous. Bonjour, même si on s'est vu avant au stade Yvan Badji, vous dire tout simplement que tout d'abord, je suis très fier d'être le parrain de ce stage qui se passe divinement bien avec des éducateurs de l'OGC Nice, avec un stage qui est différent des autres puisqu'en même temps, il y a une journée avec les pompiers, il y a une journée aussi à la piscine, il y a le pitch aussi. Donc, oui, la nutritionniste, qui est rare quand même dans un stage. Voilà, vous dire que j'ai accepté de suite lorsqu'on m'a demandé. Puis, vous pouvez remarquer aujourd'hui que le maire d'Isola se donne énormément de mal pour accueillir non seulement ces stages, parce que vous avez pu voir les infrastructures, et puis aujourd'hui, d'être ici pour les 10 ans de ce stage, d'être avec l'OGC Nice qui accompagne fortement Isola. Je veux dire que c'est vraiment un grand plaisir et c'est une grande famille l'OGC Nice, parce qu'aujourd'hui, pour certains, vous connaissez
certains joueurs, pas d'autres. Mais en tout cas, voilà, chacun a marqué l'histoire du club et on est là. Et même si on n'a pas joué à la même époque, on a la chance encore de vivre à Nice et de se rencontrer. Et il y a des grands moments de partage grâce aussi avec l'association des anciens Aiglons. En tout cas, voilà, j'espère être là encore l'année prochaine avec vous et passer des bons moments grâce au stage. Et bien sûr, je remercie encore le GC Nice d'accompagner l'Isola. Cette fois-ci, nous montons sur Isola 2000, et plus précisément au niveau du Chastelard, où une grosse partie du troupeau de la vacherie de la station s'est installée. Nous allons essayer d'en apprendre un peu plus au sujet de cette installation. Donc alors là, on a une salle de traite mobile donc qui nous permet de traire les vaches directement dans les pâturages. Et donc là, on est au Chastelard et on va commencer la traite du soir. Elle était offerte autour du thème du football. L'intérêt de le faire dehors, donc, c'est de pouvoir pâturer beaucoup plus loin de la ferme sans avoir besoin de les ramener à l'étable le soir. Et ça permet surtout d'économiser les vaches et de leur éviter de faire des trajets inutiles, quoi. Donc là, elles sont sur place tout le temps, elles marchent très peu et elles passent leur temps à se reposer et à manger. Et voilà. Elles viennent toutes seules parce qu'on les a habituées, on leur donne les céréales en même temps. Donc voilà, elles viennent prendre leur chocolat quotidien. Jacques me disait que c'était une invention. Oui, oui, ben en fait, c'est une invention. Le système comme ça, c'est assez artisanal. Ouais. On a fait ça avec un ferronnier, avec notre installateur qui a monté le système de traite dessus. Mais c'est vrai que non, ça ne s'achète pas déjà tout fait, quoi. Il a fallu un peu de créativité. Et d'anciens joueurs avaient fait le déplacement pour venir à la rencontre. Oui, et puis bon, après ça devient difficile de pâturer seulement à côté de la ferme parce que l'été il faut cohabiter avec le VTT et toutes les autres activités. Donc vaut mieux qu'on soit juillet-août un peu plus loin et pour après pâturer ces zones-là quand c'est plus calme au mois de septembre. Vous pouvez retrouver tous les produits de la ferme à la vacherie qui se situe au niveau du parking P1 à côté de circuit de glace et qui est ouverte toute l'année. Thank you.
Nous redescendons sur le village d'Isola où le comité de jumelage, le COJIC, organisait une soirée sardines grillées. Alors, c'est quoi cette fête exactement ? Exactement, eh bien, écoutez, nous avons été conviés par le CODIS de Isola pour vous faire cuire les sardines. Nous venons du Croc de Cagne, donc nous avons monté les sardines et nous allons vous les faire cuire car nous avons l'habitude de le faire pour la Saint-Pierre, la fête traditionnelle qui se passe en début juillet. Donc nous avons tous nos adhérents qui sont montés du Croc de Cagne, sardines, barbecue. Et nous avons 120 kg de sardines à faire cuire pour à peu près 360 convives. Nous vous attendons de pied ferme et avec un grand plaisir. Nous sommes très heureux d'avoir été invités par le CODIS et la mairie d'Isola. Et nous espérons que pour une première, ce sera le prémisse d'une longue coopération entre les Mares et Monté. Vous êtes une association, vous êtes quoi ? Alors nous sommes l'association amicale Saint-Père, les rameurs du Croc de Cagne. Nous sommes un club qui pratiquons la rame traditionnelle. Nous avons deux sections, la section compétition et la section loisirs. Nous pratiquons la rame tout au long de l'année. Et nous pratiquons la rame en compétition Coupe de France, championnat national, où nous sommes quand même titrés deuxième club de France et premier club de France en nombre d'adhérents. Le rapport entre la rame et les sardines. Alors, vous avez raison, le rapport entre la rame et les sardines n'est pas si anodin, n'est pas si vu de l'esprit. Il faut savoir que la rame traditionnelle est issue de la pêche. Les pêcheurs, lorsqu'ils arrivaient au port avec le produit de leur pêche, essayaient d'arriver les premiers pour vendre leur poisson au mieux. Donc, ils se faisaient une course. Ensuite, il y avait aussi le secours en mer. Au départ, n'existait pas la SNSM, qui aujourd'hui, on a vu l'actualité récente, où elle était victime d'un grave accident. Il n'y avait pas la SNSM. C'est les pêcheurs qui, avec leur barque, allaient secourir les bateaux en détresse. Et cela, bien sûr, à force des bras et à la rame. Nous sommes issus de cette tradition et a été créé ce sport qui est la rame traditionnelle. La rame traditionnelle qui est trois buts, c'est de pratiquer la rame et perpétuer la tradition et deuxièmement de faire du sport et de s'entretenir entre nous et troisièmement la convivialité. Et la convivialité c'est la sardine. La sardine bien sûr c'est un poisson qui est pêché en Méditerranée, c'est un poisson traditionnel. Il faut savoir que Croc de Cagne à l'époque était quand même le premier port de pêche des Alpes-Maritimes. D'accord ? Donc il faut le savoir, avec une très forte concentration de pêcheurs. Aujourd'hui, bien sûr, les choses étant ce qu'elles sont, et la modernité faisant ce qu'elle est, on n'est plus pêcheurs, on est plutôt plaisanciers. Pré-travaillant, c'est un vingui à qui per faire cueillir les sardines parce qu'à la montagne, ça vous passe une caisse les sardines. Alors c'est un vingui en para à faire cueillir les sardines au barbecue. On a qui dit. Tu l'as bien dit là. Voilà. Non, si pesca dans la tinée. Non, dans la tinée, si pesca rien. Mais non, au Croc de Cagne, les sardines dans le Croc de Cagne. Quoi. Et oui, sardines dans le Croc de Cagne. Sardines dans le Croc de Cagne. Et il y en a guère qui les mangent d'aquelle. Par contre, il faut manger la tête. Hein.
C'est comme les femmes crevettes en fait. Tout est bon sauf la tête. Tu manges pas la tête toi? Non. C'est un concours. Ouais. Non, pas. Tu vois ou quoi? Comment je sais pas, contre rien. Ça t'as pas l'odeur, bien. Ça sent bon, hein.